Claudia, eh, ta, attends, quoi, ne pour moment. Avec ma nolain, quand j'ai ouché. Bon, non, mon dos. Un blond ou pas de jeune à mon bobo. Mano, quand j'ai pour vite les pots. Avec ma no coucou, ayo, qui domine ton coup de wedding. Le problème de la perte et de la dégradation des terres n'a pas été au cœur de l'attention du public jusqu'à présent, mais c'est néanmoins devenu un important défi d'ordre mondial. Die Bedeutung von Boden für unsere Existenz, dafür, dass wir essen und trinken können, ist tatsächlich herausragend. Und gerade angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung wird immer mehr und mehr bedeuten, dass wir den Boden, diese knappe Ressource, die sich nicht vermehren lässt, dass wir die tatsächlich bewahren und versuchen, sie noch zu verbessern. La dégradation des terres est causée par plusieurs facteurs principaux et varie d'une région à l'autre. Dans les économies industrialisées et émergentes, la dégradation des terres consiste souvent en l'imperméabilisation des sols et la contamination des eaux souterraines par des pesticides et des engrais. À d'autres endroits, elle est due à l'élimination du couvert végétal via la déforestation ou le surpâturage. La neutralité en matière de dégradation des terres, abrégée en NDT, décrit un monde dans lequel aucune terre n'est perdue à cause de la dégradation. Pour y parvenir, il est essentiel de planifier avec prévoyance, l'objectif étant d'éviter toute dégradation. Lorsqu'une utilisation projetée des terres est susceptible de les dégrader, des mesures pour éviter et réduire la dégradation anticipée sont prévues et mises en œuvre. La dégradation partielle, qui ne peut être totalement évitée, est alors compensée par la restauration et la réhabilitation. Idéalement, la neutralité apporte un équilibre à l'utilisation des terres, de sorte qu'en termes nets, toute nouvelle dégradation sera contrebalancée par l'annulation de la dégradation passée. Parce que la neutralité en matière de dégradation des sols est un mécanisme de pilotage permanent qui nécessite une bonne combinaison d'actions, un processus continu de planification, de suivi et d'ajustement est nécessaire. The beauty of land degradation neutrality, but also the complexity of it is, if we do that right, if we have the conservation planners, the municipal planners, the urban planners, all in the same room, thinking about optimization, then we ought to be able to get the best economic performance, the best environmental positive impacts, the best approach for food security, all in one. C'est exactement ce type de processus intersectoriel qui est maintenant mis en œuvre au Costa Rica, sur la base d'un décret présidentiel de 2017, sous la direction de la Commission consultative nationale sur la dégradation des terres, CADETI, des représentants de différents ministères et de leurs institutions apparentées s'emploient ensemble à améliorer leurs stratégies institutionnelles et leurs instruments de planification afin de prévenir la dégradation des terres. Au Bénin, qui est situé entre le Nigeria et le Togo, en Afrique occidentale, le défi actuel consiste à généraliser l'utilisation de pratiques de gestion durable des sols dans tout le pays. La perte de fertilité des terres pose en effet un sérieux problème à la plupart des petits exploitants. On enseigne beaucoup dans nos universités, à nos étudiants, on enseigne beaucoup dans nos lycées agricoles, aux élèves, aux techniciens, mais les techniques qui correspondent à bien établir la fertilité des sols dans les conditions actuelles et en tenant compte des ressources disponibles au niveau des agriculteurs, on ne prend pas suffisamment en compte tous ces éléments. Donc les techniciens, nous les formons et ces techniciens vont maintenant encadrer, ils forment d'abord les agriculteurs, des classes d'agriculteurs et ils les encadrent pour bien installer les mesures sur le terrain. Nous avons des chrétiens dans les yeux. Nous avons des métiers. Nous avons des métiers. Nous avons des métiers. Nous avons des métiers. La NDT ne concerne pas uniquement les pays dépendant essentiellement de l'agriculture. Les pays industrialisés comme l'Allemagne doivent également accorder une grande attention à cette question.
Auf der einen Seite ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben zu Hause machen. Das heißt, die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Versiegelung von Böden, die im Moment einen Umfang von 65 Hektar pro Tag hat, also 20 Minuten, alle 20 Minuten ein Fußballfeld, dass das maßgeblich reduziert wird. Aber Deutschland engagiert sich eben auch international und da ganz besonders multilateral auf der Ebene der Vereinten Nationen. Le succès à long terme dépendra de la volonté politique de faire respecter la NDT par le biais d'une coordination entre les institutions, comme c'est le cas au Costa Rica, et de l'engagement de personnes comme Firmin Amadji et Rosalie Djédouan qui changent réellement les choses en modifiant les modes d'utilisation des terres sur le terrain. Au nom des générations futures, toutes les parties impliquées doivent conjuguer leurs efforts pour préserver les terres. Il y aura toujours des conflits d'intérêts, mais avec le concept de neutralité en matière de dégradation des terres, nous disposons d'un mécanisme pour proposer des solutions intelligentes, protégeant, étape par étape, le fondement même de notre existence.